Honorable Beres. Madame Beres. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, vous avez conclu votre intervention en disant qu'au fond, ce qui était en magasin devait être poursuivi. Or, la majorité du peuple britannique s'est prononcée en faveur du Brexit. Et mon groupe soutient l'action de votre commission sur la base d'un contrat informel qui était l'idée de mettre en œuvre un plan d'investissement. Il me semble que le temps est venu de renouveler ce contrat et d'en redéfinir les termes à la suite de ce Brexit. Car vous vous êtes engagé à réformer la directive détachement des travailleurs qui fait tant de dégâts dans mon pays et dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Alors oui, il est de votre responsabilité d'aller de l'avant et de faire en sorte que ceux qui se sont opposés à cette révision de la directive détachement des travailleurs n'aient pas raison et que le droit l'emporte pour que cette révision ait lieu. C'est sur la base de ces éléments-là que nous pourrons vous renouveler le contrat de confiance qui nous unit. Honorable Papadimoulis. Monsieur Papadimoulis. Monsieur le Président, Monsieur Timmermans, l'Union européenne se trouve confrontée à une énorme crise qui menace son existence même. Nous avons donc besoin d'opérer un virage. Nous avons besoin de changer.